Allez, bonjour à tous et bienvenue sur Quetzal Games. Ici Bird et on se retrouve avec Chris92, notre consultant d'Insomniac Games. Salut, bonjour à tous. Voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pour le dernier épisode du malheur. Si on finit cet épisode sans encombre, nous aurons la preuve que Dieu ou qui que ce soit existe là-haut. Donc aujourd'hui, Chris, quelle touche ? Quelle touche ? Le joystick droit, il fonctionne ? Non, merde. C'est un fail ! Triangle ? Triangle, ça marche. Ok. Et donc, on se retrouve tout de suite pour le troisième épisode de Ratchet & Clank sur PlayStation 4. Donc on est de retour, on est sur Novalis, je crois. Oui, une minute. Est-ce qu'on a les sous ? Non, on n'a pas les sous pour la nouvelle arme. Non, pas loin, il nous faut 4000. On n'a pas besoin de munitions et niveau amélioration, c'était déjà fait. On avait fait ça dans la fin du dernier épisode. Et donc si on mate la carte, il nous reste une dernière chose à faire. Voilà. Il faut trouver quelqu'un pour réparer le vaisseau. Et ça, c'est quoi ? C'est du raritanium. C'est pas ce qui permet de faire les améliorations ? Si. Bah c'est nickel. Pourquoi ne pas améliorer ton pyro-lanceur ? Non, j'aime bien améliorer le fusio-grenade. Bah là, on peut en utiliser encore. J'achèterais vraiment ça si j'étais toi. C'est pas voilà. Génial. Voilà. Donc on a amélioré le fusio-grenade au max. Je pense qu'il va faire mal. Bon, donc on est parti. Au calme. Donc, hop, on grimpe. Oh putain, des plateformes. Vous savez ce qui se passe quand je fais de la plateforme, hein. Mais non, c'est rigolo les plateformes. N'hésite pas sur les double sauts. Ouais, ouais, bien sûr. Ouch. T'as pu. Merci. Ah, une pluie de boulons. Et du coup, après, on pourra aller s'acheter le tambour. Bah, je propose qu'on fasse demi-tour pour le prendre. Il y a assez de boulons pour acheter un tambour à proton. Hop, nickel. Donc allons choper le putain de tambour à proton. Hop, c'est parti. Nickel. Et voilà. Est-ce qu'on peut déjà faire une petite amélioration ? Alors on aurait quoi ? La zone d'effet, la durée, holocart on s'en fout, ou la durée encore. Je propose d'abord la durée. Vas-y. Voilà. Ah bah du coup, il nous en reste un, et un peu de zone d'effet. Voilà. Comme ça, on aura amélioré les deux. Donc qu'est-ce que ça donne ? Alors moi, je sais déjà ce que ça donne, puisque on a eu l'épisode du fail. Attends, tu le testeras sur des ennemis tard. Ouais, t'as raison. Les 4 munitions, ça sert à rien de gâcher maintenant. Ouais, c'est vrai. Ah là là, heureusement qu'il y a Chris à côté, hein, parce que vous me verriez tirer dans le vide. Mais un truc de fou. Oh non, c'est juste que je suis radin. Oh le radin. Picsou. J'aimerais bien les sous qui vont avec aussi. C'est sûr, moi aussi j'aimerais bien. Et donc on continue d'avancer. En mode ninja. Encore et encore. Il y avait des munitions. Je veux les munitions. Mais... Fuck ! Oh, une salle secrète, non ? Non, c'est là où je vais aller. Bah, c'était quoi alors plus haut ? En fait, je sais même pas si j'y suis déjà allé. Qu'est-ce qui... Ah, des caisses. Y a des caisses. Avec de la vie. Hop. De la vie, des munitions. Bon, et une holocarte. Aller alors, je me souvenais juste de... Voilà, pourquoi t'as eu toutes les holocartes ? Alors non, c'est pas cette arme que je voulais. C'est celui en bas. C'est le fusil aux grenades. Okay.
qui one shot les blargues. On va t'envoyer au paradis des Lombax. Ah non, pourquoi? Non mais saute putain. Non non, tu vas pas pouvoir sauter. Bon, c'est pas grave, on y retourne. Je suis mais tellement mauvais. Je t'apprends rien là. Ah mais c'est maintenant qu'il faut m'apprendre. Donc voilà, c'est très la patience. Excusez-moi. C'est pas grave. Une seconde fois. C'est pas grave. Lombax en vue. Attention. Oh, je l'ai pas one shot. Ouais, c'était pas un second. Voilà. Rien à récup non plus. Très bien. Je fail, mais un truc de fou. Touch. Il va mourir normalement. Ouais, c'est bon, tout le monde est mort là. A priori. Récupérons les boulons, tout ça. On s'occupera du coup de clé juste après. On a des trucs à récupérer par là-bas. On a de la vie qui est sympa, du coup. Nickel. Et on repart pour de la plateforme. Super. Bon, en même temps, c'est le but du jeu, hein. C'est un jeu de plateforme, donc... Ouais. Bah si, c'est un jeu de plateforme à l'ancienne, quoi, c'est... Et c'est tellement plus intéressant qu'un Mario. Ouais. C'est pas mal, nouvelle holocarte, voilà. Ah, je suis le premier à critiquer Mario. Ça ne me plaît pas du tout. Donc, petite cinématique. Sympa la beuvard. Ouais. C'est pas déjà croisé. Par contre, il est chauve. Mais il a une petite corne. Ah bah du coup, il est pas chaud. J'aurais besoin d'être affistolé. Il a le crâne dur, le mec. J'ai envoyé un appel de détresse au Roger Galactique depuis que l'armée de Drake a débarqué. La région tout entière est prise d'assaut par les navettes Blarg. On doit vous sortir de là. Eh bien, je ne pourrais aller nulle part tant que je n'aurais pas remis cet info-robot au Capitaine Quark. Nous allions justement le voir quand notre vaisseau a été abattu. On pourrait y jeter un coup d'œil. Oui, pas de problème, je l'ai piqué à un de ces soldats Blarg. Et voilà. Oh tiens, bonjour. Je suis Alonzo Drake, le président de Drake Industries. Vous vous demandez certainement pourquoi 300 robots de guerre armés jusqu'aux dents marchent d'un pas menaçant vers un croiseur de classe G. La réponse est très simple, chers amis, pour le progrès. Il y a des années, nous avons dû nous réfugier sous terre pour échapper à la pollution attribuée abusivement, mais néanmoins à juste titre, à l'entreprise de mon père. Lol. Depuis lors, nous avons délaissé la robotique pour nous consacrer à la création de planètes. Maintenant que notre projet touche presque à sa fin, nous devons faire tout notre possible pour respecter nos délais. Dans ce cas précis, cela signifie que notre sympathique armée de robots de guerre doit vaincre tous ceux qui voudraient s'opposer à nous. La bonne nouvelle ? Nous allons les prendre par surprise. Alors laissez-vous aller, détendez-vous et réjouissez-vous, car vous savez que Drake Industries travaille pour vous. Drake Industries ne travaille pas pour vous. Lol. Vous avez un petit problème de transport, à ce que je vois. Et si je vous retrouvais à votre vaisseau, on va le retaper et vous pourrez décoller. Bon, il est sympa, lui. Ouais, il nous connaît pas comme ça et puis... nous propose de retaper notre vaisseau gratuitement alors que tout le monde sait qu'en France ça vous coûterait la peau du cul. Eh bien, ça a l'air d'être le moyen le plus rapide de descendre. Essayons. Certes, mais c'est pareil que pour une voiture. Ouais, ça va peut-être coûter un peu plus cher quand même. Bon, récupérons ce qu'il y a là-bas. Avant de partir. Et wouh ! Et là, normalement, ça fait plaisir. Ah, les boulons ! Tu crois que c'est le mec qui est passé avant nous qui a chié tous ces boulons ? Ah, et c'est vrai que...
Voilà, je vous rappelle qu'il y a quelques minutes, on a dépensé 2000 boulons, 4000. Voyons un peu ce qu'on a là. Et c'est ainsi que Ratchet et Clank partirent réparer leur vaisseau avec l'aide du plombier. Ouais, c'est un plombier qui répare un vaisseau. Qu'ils allaient bientôt côtoyer le sublime, qu'ils allaient entendre ses puissants muscles craquer. Mais d'abord, ils allaient devoir affronter un T-Rex zombie mangeur de cerveau. Pas si vite. J'ai pas souvenir d'un T-Rex zombie mangeur de cerveau. Ok, ça va. Rabat-joie. Bon, tout a l'air d'être en état de marche. Promettez-moi de remettre cet info-robot au Capitaine Quirk. Je vous le promets. Merci pour votre aide. Pas de problème. On se voit dans le prochain remake. Ok. Comment dire qu'il y aura un Ratchet & Clank 2 sur PS4? Je l'ai tellement kiffé. Donc, bah écoutez, on a fini sur cette planète. Bah écoutez, on s'envole. On va y aller, hein. Et donc, nous avons enfin la carte, peut-être. Donc, on avait vu Veldin, où il nous reste un boulon, mais je ne l'ai pas eu. Novalis qu'on a terminé. Donc, on a Carwan ou Aridia. Bah écoutez, on va aller sur Carwan voir les Rangers Galactiques et le Capitaine Quark. Évidemment, c'est nous qui allons aider. Oh bah oui, comme d'hab. Le rôle du larbin. On doit aider les Rangers Galactiques. Activation des systèmes d'armement. Arme activée. C'est bon, tu peux attaquer le transport. Ok, nickel. Donc là, à gauche. Capitaine, un vaisseau non identifié. Nickel. Merci Captain Obvious, on n'avait pas vu. Mais merci. Ouais, mais on sait jamais. D'autres transports. Ces transports sont en train de larguer des robots de guerre sur toute la ville. Alors là, sûrement pas. Là-bas. Transport bloc détruit. Je me débrouille quand même beaucoup mieux qu'avant. C'est clair. Parce que la première fois on avait tourné cet épisode en mode fail. Sans vouloir vous vexer, on n'est pas en position de refuser de l'aide. Un autre transport au moins. Voilà. Il semble qu'il n'y a pas. Je vais peut-être y arriver sans mourir cette fois. Oh, ça serait pas mal. Pas trop. Il va passer à droite. Ouh. Mais non, mais accélère pas. Désolé, j'ai voulu esquiver Rapidos. Ah, mais... Putain. Ouais, un autre moins. Bon. Hop. Tout système ça va, on a récupéré de la vie. Donc, t'en as un là, après l'autre à droite. Ouch. Heureusement qu'on a plein de vie, hein. Ouais. Je suis plus rapide qu'eux. Du coup, quand je veux me caler, bah je lui fonce dessus. Ouais, mais n'utilise pas le turbo. Mais je l'ai pas utilisé, là. Non, là je l'utilise pas. Non, mais juste avant, ouais, on les enchaîne. Je vais l'utiliser pour les foncer dessus. Donc lui il est où? Il est là. Voilà. Merci les gars. On dirait que vous avez eu tous les transports. Mais il reste à éliminer ce vaisseau de guerre. Le blindage des robots de guerre est fait d'un alliage de raritanium. Si on parvient à propulser un de ces robots à une vitesse suffisante, je pense qu'il pourra pénétrer la coque. Génial. Pénétrer. Non. Je sais à quoi tu penses, mais non. Je suis en train de réécrire le logiciel pour isoler le blindage des robots de guerre. Ah, voilà. Tu devrais désormais pouvoir attirer les robots grâce au turbo-aimant. Ok, je vais essayer. Turbo-aimant activé. Il doit y avoir des robots de guerre dans la zone. Tu peux maintenant les ramasser et les larguer sur le vaisseau de guerre. Ok, ouais, c'est là où il y en a le plus. Je ferai gaffe à en haut à droite, à voir combien de temps. Il reste assez de puissance pour ramasser d'autres robots.
On peut en d'autres. Il y a assez. Juste pour activer le gros vaisseau. Attendre le signal. Attends. Lâche les robots de guerre. Ouh, on lui a fait mal, presque un tiers de sa vie. On va y retourner. Bien joué, Ratchet. Excellent, c'est reparti pour un tour. Comme il dit. Vas-y. On réussit pas à garder le temps. Ouais, ouais. Ok, les robots de guerre, là. Accrochez-vous. C'est bon, les uns. Ouch. Oula, par contre, 13 points. Je pense qu'on peut réparer notre appareil. Ouh. Jusqu'à que je l'ai défoncé. Ouais. Là, il y en a. Ma persévérance viendra à bout de ces robots de guerre. À un moment. Oh. C'est eux qui nous tirent dessus, les enculés. Pour quelques robots, si tu refais un peu. Lâche tout. Retour à l'envoyeur. Ouais. On y est presque. Je crois que le vaisseau de guerre a subi des dégâts critiques. Et ça serait bon. Ouais. Encore un coup et c'est bon. Le problème, c'est que je peux pas. J'ai rien pour récupérer de la vie. Normalement, on est dans des vaisseaux ennemis, je crois. Ouais, tu crois? Oh non, on va s'écraser. Voilà. C'était trop beau hein, que j'y arrive sans crever. Hein. Il doit y avoir des robots de guerre dans la zone. Tu peux maintenant les ramasser et les larguer sur le vaisseau de guerre. C'est à moi que tu dis ça. Active le turbo-aimant. Aouh! Mais comment je fais pour perdre autant de vie d'un coup? Ah, c'est quand ils nous tirent dessus. Ouais. Oh les bâtards! Verrouillage! Lâche tout! Retour à l'envoyeur! Waouh! Ouh! Nous nous affronons pas, il nous reste que 4 points de vie. Bien joué, voilà! Autant dire qu'on a plus le droit à l'erreur. Excellent! C'est reparti pour un tour! Certains de ces vaisseaux ont des nanotech. Visez-les pour réparer votre appareil. Oh non, mais il tire trop dessus, c'est un truc de fou! Ouais. Du coup, je vais tester un truc, essayer de passer là où ils sont plus. Voilà. Tiens-toi prêt. Lâche tout. Boum. Voilà. Ça sera plus facile comme ça, je pense. Bien joué, Ratchet. Ah, excellent. C'est reparti pour un tour. Ça a marché. On peut en ramasser d'autres. Hop, on repart. Encore une fois. Derrière. Attends encore. Maintenant. Ouais. Tunnel, on y est presque. Impressionnant. On va y arriver, hein, vous inquiétez pas. On va vous cuter les 200 essais et puis... pour quelques robots si tu refais un passage. Verrouillage. Non, ça c'est juste pour le lol, je sais que ça marche pas. Lâche les robots de guerre. Je sais pas ce que vous faites, mais ça marche. Bravo, étranger. Mais n'oublie pas, il ne peut y avoir qu'un héros, moi. Ouais bon, ta gueule Quark, hein, t'es gentil. Attends, ouais, parce que là tu fais pas grand chose non plus. Je crois que le vaisseau de guerre a subi des dégâts critiques. Ouais, encore un coup et c'est bon. Il reste assez de puissance pour quelques robots si tu refais un passage. Moi aussi. Oh. Ouch. Eh oui, mais je suis tout prêt et le mec, je le touche pas. Lâche tout. Nickel. Nickel, Michel. Ça s'est mieux passé que la première fois. Hein. Déjà oui. Largement. Ils sont contents. Très bien les amis, laissez un peu de place à nos héros pour respirer. Je serai heureux de répondre à toutes vos questions pour... Si mais enculé, va, moi je veux répondre aux questions. Demandez à ces héros de rejoindre les Rangers. Je vous demande pardon.
Bonjour. Eh bien, je suppose que oui. Et voilà comment, par pure chance, notre long bac inexpérimenté vint à bout d'un croiseur Blarg. C'était pas de la chance. Le robot et lui faisaient une super équipe. On ne t'a rien demandé, Bill le solitaire. On donne sa part de flanc à un type une fois et on ne peut plus s'en débarrasser. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Eh bien, Drake n'a pas vraiment apprécié qu'un Lombax et son acolyte robot viennent ruiner son plan. Alors il a envoyé des mercenaires Blarg pour les éliminer. Fils de pute! Clank, attention! Mais pas forcément agréable. Non. Est-ce que tout va bien? Donc ça y est, donc on est toujours sur Kerwan. On devrait retourner au QG des héros. Va falloir du coup, comme ils disent, rejoindre le QG. Désolé Brax, Clank et moi, on a eu quelques problèmes. Et on va enfin pouvoir tester le tambour. Le vaisseau. On dirait qu'il y a encore quelques blargues en ville. On a dû les rater quand on a balayé le périmètre. Voilà, il y a des chiens. On va faire un tour au QG des héros pour vérifier qu'ils n'ont pas réussi à rentrer. Bien reçu. En attendant, j'ai un ami près de ta position qui pourra t'aider. T'inquiète, j'avais vu. Il s'appelle Al. Je voulais attendre la fin de ta formation pour te le présenter, mais autant le faire maintenant. Va le voir et demande-lui d'améliorer Clank. Si tu lui dis que c'est pour les Rangers, il ne devrait pas te faire payer. C'est le gars des holocartes, c'est ça? Ouais, on le connaît. Là, on va pouvoir se faire plaisir. C'était pas vert à l'origine? Non, non. Non? Bon, bah, en tout cas, voilà. Comment faire du ramdam chez l'ennemi? Ah, ouais, clairement, tu balances ça et tu fais plaisir. Bon, ça, on peut pas y aller encore. On va utiliser le fusil aux grenades. Faut pas les laisser faire les gros là, ça je m'en doute. Ça fait mal. Non, t'as plus de munitions. Ah merde. Des flammes, encore des flammes. Eh, ça l'empêche pas de tirer, hein. Ah non. Ah merde, il a pas tiré, c'est plus pour lui. Merde, trop près. Et je suis en train de gâcher mes munes. Ouais. Nickel. Ça aussi, ça se passe quand même beaucoup mieux que la dernière fois. Ah, je suis en mode. On a intérêt à trouver des nanotechs. En mode galère, ouais. Ah, j'ai plus de mun. Enculé. Ok. Bon, je fais comment maintenant que j'ai plus de combustor? Bon, bah, fusil aux grenades, hein, j'ai plus que ça parce que le pyro-lanceur, je le toucherai pas. Non. À part que tu vises bien par contre. Faudrait que tu te rapproches. Non. Non, c'est du foutage de gueule! Évidemment que je suis mort, j'ai plus de mun. Bon, bah, du coup, je vais garder mon combustor pour cette merde. Utilise le tambour et balance le monde devant toi. Nickel. Avec le combustor du. Ah merde. Amélioration du combustor, dégâts plus 40%. Ah, ça c'est cool. Nickel. Munitions. J'ai pas de la vie quelque part, non. Ah, un nouveau truc pour l'amélioration, nickel. Je tenais juste à vous rappeler que je suis avec vous. Ne me remercie pas. Ah, mais on te remercie pas, hein, t'inquiète pas. Petite pute. Je crois qu'on s'était arrêté là. Bah,
sur le premier tournage, donc ça prouve à quel point je me débrouille mieux. Enfin, mieux. Tout est relatif. Tout est relatif. Putain. Bon, on y retourne au tambour. Et j'ai qu'une munition de tambour. Je vais le garder. Fichues anomalies peuvent être n'importe où. Nickel. Voilà, c'est mort. Les munitions acceptées. Ouais. Ah mais là je bombarde. Ok, donc j'ai plus de munitions avec le fusil aux grenades. Bon, j'ai un peu mal visé. Ah nickel, terminé. Donc on récupère des munitions, un peu de vie. Voilà. Non. Ça sent la zone secrète. Et si on fait... Ah non, même pas, si on fait la carte. Ça sent la mort, c'est tout. On est bientôt arrivé en tout cas. Et on va avancer un petit peu. Donc là, ça y est, je redécouvre. Alors Ratchet, t'es arrivé chez Hal ? On y est presque. Ah c'est con, le tambour est pas mal. Utilise le... Ouch. Enculé. Voilà. Bon, désolé. C'est ce qu'on appelle un fail. Les boulons. Alors, qu'est-ce que j'ai ? J'ai du pyro-lanceur, j'ai 10 combustors et j'ai du tambour à proton. Un seul. Le tambour, il va pas trop te servir. Ouais. Et là, de toute façon, ça va être... Il va falloir bien viser avec le tambour. Qui va là ? Montrez-vous sinon j'appelle la police. Ah, fail. Ah! Le retour de la picorne. Alors je vous préviens, si je dis pas, on les a tous eus. Voilà. Plutôt une réussite finalement. Ouais, je bug, je parle mal. On récupère les munes. Oh putain, ça l'a ouvert. Dommage. Fail. Bon, j'aurais loupé quelques boulons. Je suis mort et je suis au paradis des geeks. Incroyable. Ils ont amour, gloire et placement mitraille. Le fangoïde au bâton. Ouh, Spyro, l'élan de l'espace. Ils ont même la méga édition ultra limitée de Intransigeance Fall of Blarg. Vous aurez du contenu bonus avec celui-là si vous précommandez avec Gadgetron. Vous devez être les gars dont Cora m'a parlé. Ceux qui ont besoin d'une amélioration Helipack. Et tu dois être Hal. Ravi de te rencontrer. Je suis Clank. Et voici Ratchet. Eh bien, les amis de Cora sont aussi mes amis. Le courant passe entre elle et moi, mais aucun de nous n'a encore fait le premier pas. Lol. Monte sur mon établi. Je vais c'est un peu ma vie sentimentale en ce moment. Voilà, voilà. Je replace la carte sœur, je reconnecte le port, et c'est bon. Et c'est pour voir. Ça m'a l'air nickel. Ça va être cool. Ouais. Pour retourner au QG des héros, c'est simple. Continue dans cette direction jusqu'à ce que tu trouves la gare gravitationnelle. Ça t'y emmènera directement. Bah écoute, merci. Why not? Voilà. Donc ok, on a la carte. Coral. Ça marche, on a fait... Ça va être à peu près la même distance qu'à l'aller. Ah, on peut récupérer. C'est pas fait douiller, non. Voilà. Voyons ça. Monsieur Zurkon. Ah, monsieur Zurkon.
8000 boulons, ça va coûter cher. Je vais améliorer le tambour à proton. Est-ce que je peux prendre un truc avec des munitions? Pas encore. Ça viendra avec les niveaux. Alors, durée. C'est pas génial, leur aritanium. Voilà. Comme ça, j'ai bien amélioré le tambour à proton. Et donc, du coup, eh ben, on va s'arrêter là. Hein. Ouais, ça sera déjà pas mal. Pour ce troisième épisode, et puis on se retrouve très bientôt dans quelques jours pour un quatrième épisode sur Ratchet & Clank. Allez, ciao! Salut! La vidéo d'aujourd'hui est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, ça fait plaisir. Sinon, un pouce rouge, liberté d'expression, tout ça, vous connaissez. Comme d'habitude, tous les liens utiles sont dans la description. Et pour les petits oiseaux fraîchement éclos, abonnez-vous. N'hésitez pas à me donner votre avis ou à me poser des questions en dessous de la vidéo dans les commentaires, c'est prévu pour. Vous pouvez partager la vidéo sur Facebook et Twitter, ainsi qu'aller jeter un œil aux pages de Quetzal Games sur les réseaux sociaux cités plus tôt. Vous pouvez aussi voter pour la chaîne sur YouTube Explorer et parler de Quetzal Games à vos amis et à votre famille. C'était Bird sur Quetzal Games, à la prochaine, bye bye!